Salut tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous? Écoutez-moi, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on va parler du Zeus. Le premier du nom. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc du coup, on va le recoiler. Parce qu'avant, je ne me chopais que des dryites. Allez, c'est parti. Oui. Salut tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous? Écoutez-moi, ça va extrêmement bien. On ressort les petites laines, parce qu'en ce moment, il commence à cailler un peu dans le nord. Bon, ça ne change pas d'habitude, il fait tout le temps froid dans le nord, mais là, le soleil est enfin parti. Trêve de blabla, aujourd'hui on va tester quelque chose, enfin on va retester quelque chose parce que vous savez que je n'ai jamais été friand du Zeus premier du nom. Le Zeus deuxième du nom était passé un peu mieux, entre guillemets, mais alors la première version, pas du tout. Je me chopais réellement Drake sur Drake, donc du coup je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas retester le Zeus, du coup vous refaire un retour sur le Zeus. Parce que du coup, on m'a conseillé différents montages. Et puis, bah, du coup, vous faire le montage, vous montrer le montage que moi j'ai fait dessus. Et de voir après vos montages à vous, voir si tout va bien. J'ai essayé en NI80, j'ai essayé en NI90, j'ai essayé en Schmilblick avec un Schmilblick. Et ça ne passe pas. Donc on va tester aujourd'hui avec un fil qu'on m'a recommandé. C'est le Flatwire NI90. Que j'utilise vraiment partout. Que ça soit dans le Ray, dans le Druga. Dans le GMH2, je le mets un peu partout, ce fil là et là on m'a dit non, fous-le sur le sur le Zeus, et ça devrait passer. Donc on va essayer, je ne vous garantis rien, mais on va voir si ça passe. Hop, je mettais du N90 des plus classiques, et j'arrivais pourtant, oui, à me choper un Drake. Alors le Zeus, c'est con parce que j'aurais bien voulu le mettre justement sur la Pokéball, ça aurait pu vraiment faire un beau petit combo. Mais du coup, bah, Drake sur Drake qui fait que je ne peux pas trop vaper avec, vu que je me chope des Drake. Alors, on va venir tester tout ça. On va peut-être se mettre en plan, bam, directement on the table. Et puis on va voir un peu tout ci, un peu tout ça. C'est parfait, c'est parfait. Du coup, ce qu'on va venir faire, c'est de base dévisser le plot. Pour pouvoir retirer gentiment ce fil là, cet ancien fil. Hop. Mais le Zeus premier du nom, c'est vrai, pour l'avoir testé sur des montages qui fonctionnent, je dis bien qui fonctionnent, parce que le mien ne fonctionne pas, c'est vrai qu'il est agréable. Mais là, bon, bah moi, avec moi, il est pas trop agréable en fait. Alors, je prends mon fil, du coup, mon Flatwire, il m'en reste vraiment plus beaucoup. On m'a conseillé 5 tours soit un axe de 3, donc. Bah écoute Bertrand, on va venir se faire ça. Je vais laisser un petit surplus de fil au cas où. Alors, sur un axe de 3. Hop, donc au niveau des pattes, j'ai laissé quand même un tout petit jeu. Hop. J'ai vraiment laissé un tout petit jeu pour le Flatwire. C'est un fil qui se travaille tellement bien. On n'a pas besoin de forcer dessus. Hop. Et après, tranquillou pilou, je viens revisser tout ça. Ce que c'est assez dommage, c'est que le Zeus, le premier du nom comme le deuxième du nom, je m'en lasse très vite en fait. C'est le gros inconvénient, c'est que je l'aime bien, mais pendant une journée en fait. Hop, je viens bien mettre mes airflows au niveau de mon coton. Parce que oui, c'est le gros inconvénient. Les airflows sont à l'opposé du coton. On va quand même jouer prudence. Normalement, je tombe à 0,07. Sans le rodage, avec le rodage, je suis censé tomber à 0,10. On va quand même jouer la protection, on va tester tout ça. On va faire les foufous, hein. Hop, ah non, je tombe clairement à 0,12 ohm. Hop. Ah, alors, il pue le focus en ce moment. Rodage à 60 watts, même si c'est déjà beaucoup trop réactif. On va plus se mettre à 40 watts. C'est beaucoup mieux. Nickel. Bon, Flatwire à première vue, c'est validé. Ça réagit plutôt bien et je tombe aux alentours de 0,10. Je suis même à 0,27 là. C'est exceptionnel, mes gens.
nickel. Je vais venir remettre le plateau. Je viens couper tout ça. Par contre, je vais laisser une grosse bande de coton. Et je vais faire comme dans mes atos MTL, ça veut dire que je vais les faire rouler en fait. Donc je vais le mettre dans ma rigole. Hop. Et je vais venir le plaquer. Donc en gros, ça va faire un petit effet comme ça. Hop. Voilà. Et par contre, je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Mais de l'autre sens. Ça au moins je suis sûr que mon jus est toujours imprégné. Je sais pas si vous avez compris ma petite technique. Bon, c'est pas une technique, c'est une technique connue de tous. Hein. Et voilà. Du coup, ça veut dire qu'on va se mettre un petit jus. Bah oui. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Ah non, celui-là on va les tester plus tard. Mon Guava Sunrise par Cole. Alors par contre je vais pas le juicer à fond. Bon, du coup, résultat final, je tombe à 0,20. Un peu plus de 0,20 ohms. Bon, c'est correct. Pour le Flatwire, nickel. 5 tours sur un axe de 3, pour ceux qui le veulent. Flatwire NI90 en 24-32. Nickel, je l'ai posé sur la Pokéball. 2 ZAQ VTC 5. Voilà, tout simplement. Potard 2. Je vais être un peu plus haut, potard 2. Ouais. Je vais un potard 3. Avec le Zeus. En fait, je trouvais que ça faisait vraiment un beau truc. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouvais que ça faisait vraiment assez stylé en fait. Donc bon, on va tester. C'est le début aussi là. Alors, je vous fais une petite promo pendant que mon Zeus est en train de s'imbiber du tranquillement. Il y a Buibest. Buibest, c'était celui qui m'avait envoyé les derniers colis également de la Wismec en Bluetooth. Buibest fait son premier anniversaire. Donc pour ça, ils ont décidé, tiens, on fait un petit truc easy peasy. Hein. Et en gros, vous avez 10%, parce que oui, j'ai mis une petite note, du 1er septembre au 21 septembre. Vous avez 10% sur tout le site internet également. Vous avez des ventes flash avec des prix carrément pétés donc toute la, jusqu'au 21 septembre tout simplement. Vous avez des cartes cadeaux de 20$ qui sont fournies à chaque achat. Comme ça, constamment, easy peasy. Et vous avez des prix qui sont carrément pétés. Donc ça peut passer de 99$ à 90$. Vous avez pas mal de petites promos comme ça. Et vous avez aussi des gains à gagner. Ça veut dire que vous commandez ça, vous gagnez ça. C'est parfait. Eh ben, je vous invite à aller voir le site de Buibest. C'est en description. C'est parfait. On ne se plaint jamais de tout ça. C'est des petites offres azipizi qui se laissent faire également. Ben oui, on ne se plaint pas, Bertrand. Oh, les promotions, c'est toujours bon à prendre. Hein. Voyons. Moi, je suis un fou. Potard 3. Allez, bam. Bright. Un peu trop fou. Alors, du coup, de ce que je peux comprendre du Zeus. C'est un atomiseur, il faut lui parler calmement. Il faut lui dire, écoute mon gars, tu me fais pas de raid, sinon ça va pas bien se passer. Plus sérieusement, je pense que il faut le vaper, mais à petit truc. À petit, tu vois, petit... Petit, quoi. Tu m'as compris, parce que moi, je me suis moi-même pas compris. Faut vraiment le vaper à petite puissance. Parce que là, du coup, je suis monté au potard 3. Potard qui n'est pas si puissant. Hein. Je te le dis, Jean-Michel. Mais du coup... Un petit drite. Et pourtant c'est plutôt bien imbibé. Bon, l'inconvénient c'est la cage du remplissage. Hein, on se le cache pas. Très bon que j'ai eu. Cage du remplissage un peu petite. La Pokéball, je la kiffe toujours autant. Vous avez été nombreux à me dire ouais, où est-ce que tu l'as acheté et tout, la Pokéball. Je vous l'ai dit, on me l'a offerte. Donc elle est plus disponible à l'achat en fait. Ça marche extrêmement bien. En fait, le Zeus, je l'ai eu et j'en étais tellement déçu parce que les montages que je faisais dessus, Drake sur Drake, en fait, extrêmement bien.
Et je pense que je vais même remettre sur place le Zeus du deuxième du nom, parce que ça pourrait être aussi bien, et moi qui aime bien les trucs un peu plus bourrins, parce que là c'est du simple coil, le dual coil pourrait être très bien pour moi, je pense. Bah je pense en fait, mais je pense tout simplement ça. Comment vous trouvez le setup? Il est bien, hein. Moi je l'aime bien. Du coup je vais vous demander sur Insta, haha, faut me suivre sur Insta hein, des fois, hein. Mon Insta c'est tout simple, il apparaît là, c'est Mavapendai, et en fait je vous mets souvent des petits lives, tu vois, des trucs comme ça, pour savoir comment vous trouvez le matos, etc, etc, des petites questions, easy peasy. Boum, je vous ai mis ça, c'est un petit sondage, comment trouvez-vous le setup, setup beau ou setup horrible comme Tata, c'est parfait, c'est parti. Bon, au final le Zeus, qu'est-ce que j'en pense? C'est un très bon atout, il faut juste trouver le bon fil. Donc là je pense que le Flatwire va être très bien sous cette box là, j'en dis pas le contraire. Mon petit guava, nickel. Je vous laisse les offres promotionnelles de chez Buibest qui seront en description avec la petite bannière qui s'affiche normalement ici. Je vous fais à tous de très gros bisous, c'était Théo. Prenez soin de vous. J'aime bien cette phrase. Comme d'habitude, une petite barre pour le départ, on the bus. A très bientôt.